Shalom, amour et amoureuse de Jésus-Christ. Je suis encore une fois là, bien-aimée, c'est par la grâce de Dieu. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime beaucoup. Nous devons lui rendre gloire, car il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être loué. Je vais lire un verset d'abord, mes bien-aimés. Deutéronome 18, 10 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disant la bonne aventure, personne qui interroge le mort, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez compris. Ça, c'est que le Seigneur a parlé à propos de ces prophètes. Que le Seigneur puisse les aider vraiment à se repentir. Et vous, les gens qui les suivez, il faut vous repentir aussi. Parce que vous avez déjà eu des esprits de ces prophètes-là. Et comme vous écoutez, des fois, il dit, mon Dieu, my God va vous bénir. Vous comprenez tout ça. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, tu comprends tout ça. Tu sais déjà que tu es vraiment sous la couverture de son manteau. Donc, les esprits qu'il a, c'est ce qui va t'animer aussi. Alors, enfant de Dieu, moi, je vais vous dire la vérité alors. Dans cette vidéo, bien-aimé, comme vous voyez les images qui passent, le Seigneur m'envoie pour passer ces messages au pasteur Engel Humbert et au pasteur Alpha Lukau et ses fils, parce que le Seigneur me les a montrés qu'ils ont déjà consacré leur fils et ils ont déjà fait le pacte à leur maître pour initier leurs enfants dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont déjà incarnés dans leur fils. C'est ce que le Seigneur m'a fait montrer. Ce que je vous parle, c'est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je vous dis, le Seigneur les appelle à la repentance. Parce que c'est une génération des FP qui vont bientôt aussi perdre le brebis de Dieu dans l'égarement. Et il y a d'autres que le Seigneur m'avait montré et par la grâce de Dieu, je pourrai vous les montrer, bien-aimés. Quand je viens exposer tout ça, c'est parce que Dieu veut vous mettre en garde de ne pas fréquenter ces gens-là. Il n'y a pas Dieu là-dedans dans tout ce qu'ils font. Leurs enfants sont déjà de futurs FP qui vont vraiment égarer bon nombre des enfants de Dieu quand eux, ils seront fatigués. Vous comprenez? C'est ça ce que le Seigneur m'a montré. Il y a l'autre là qui a déjà initié sa fille. Vraiment, c'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. Prions. Les temps est mauvais. Je vous dis, beaucoup de gens sont là, des soi-disant des serviteurs de Dieu sont là. Ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour égarer les brebis de Dieu. Et si tu n'as pas vraiment les yeux spirituels pour voir, tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train de voir ou bien d'écouter. Parce qu'ils ont la séduction, bien-aimée. Et leur maître, celui le maître de la séduction. N'oublie pas comment il a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Alors, fais gaffe à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui veux courir vers le miracle, là où on fait les prophéties, tu es là. On va te manipuler. Et puis après, on va exposer ça sur les réseaux sociaux. Tu vas commencer à pleurer. Ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont la puissance ténébrée pour hypnotiser les gens. Et quand on fait ça, tu ne vas pas te rendre compte de ce que tu es en train de parler ou bien d'accepter. Tu ne vas pas te rendre compte. Parce que tu es sous l'emprise
du diable, du malin. Moi, je viens ici pour vous dire la vérité, bien-aimé dans les seigneurs. Le Seigneur appelle Alpha Lucao et Angel Humbert à la repentance. Avec vos fils, le Seigneur vous appelle à la repentance parce que vous savez ce que vous avez fait. Avec vos fils, le Seigneur vous appelle à la repentance et renoncez ce que vous êtes en train de faire car le Seigneur n'est pas là avec vous. Bien-aimés, j'espère que vous avez écouté. Moi, le travail que j'ai, c'est de passer les messages. Si vous voulez, considère les messages. Si vous ne voulez pas, faites comme vous voulez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les brebis de Dieu qui entendent la voix de Dieu et ils suivent le Seigneur. Et les autres vont commencer à courir toujours vers les égarés. Mais tu ne diras pas que, Seigneur, je ne savais pas. Tu as écouté. Et ce qui te reste, c'est à toi de juger. Alors, si vous êtes là pour me taxer de tout et de rien, mais moi je suis là pour vous éveiller. Il faut regarder ce que leurs fils sont en train de faire. Il faut regarder pour comprendre. Et ça va aller très loin, le Seigneur m'a montré. Ça va aller très loin avec ces deux fils-là. Vous allez voir. Bien-aimés, faisons attention. Moi, je fais que la volonté de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pensez que la parole de Dieu n'est pas réelle parce qu'il avait dit au dernier jour, il y aura des faux prophètes qui feront de miracles et de prodiges au point même, s'ils étaient possibles, ils pouvaient séduire même les élus de Dieu. Vous comprenez ça? Alors, si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre là où il y a les vrais serviteurs de Dieu. Tu vas comprendre qui est faux. Parce que celui qui est en toi, c'est un esprit de vérité. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas suivre ces égarés. Tu vas plaider même pour eux. Parce que tu es déjà fanatique. Parce que tu es déjà adepte. Tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi. Et parce que tu n'as pas la vérité dans toi. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous ouvre les yeux. Dieu vous fait sortir de là. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te libère sous l'emprise de ce lourd ravisseur. Bien-aimé, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, moi je vous aime bien. Et tu sais ce que tu vas faire? Partager seulement la vidéo pour sauver les âmes et des enfants de Dieu qui courent vers le pasteur célèbre, vers le pasteur qui ont de méga church, vers les pasteurs qui prophétisent en désordre, vers le pasteur qui font de miracles mensongers, triqués, fabriqués. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Shalom.